Retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 12 de Red Dead Redemption 2 avec Arthur, le meilleur. Arthur Morgan, on précise. Sur le meilleur jeu. Et du coup, il y a quelques temps, je me demandais où est Sadie là, à ce moment-là dans le camp, parce que je me souviens qu'elle est en mode à surpasser un peu le délire qu'il avait eu avec son mari, mais on la voit jamais dans le camp. Je sais plus où elle est. On voit Tilly, Karen, Mary Beth. On voit tout le monde sauf elle en fait. Je me souviens plus où elle est à ce moment-là. Elle est dans un coin solo. Ah, merde. Ça aurait été sympa d'avoir une interaction avec elle. Même à ce moment-là, au début. L'oncle, mon pote. Hi, uncle. Come, have a seat, Morgan. We're discussing ladies bloomers. Ah ouais. Drinking again and the sky's blue. Just taking a break. Bah tiens. Ok. Bah, je crois que je vais faire la mission de Dutch maintenant. Hein. Comme ça, c'est fait. Allons-y. Dutch, Miss O'Shea. Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Ears open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Ouais, mais là, ça va être la meilleure mission, là. Ah ouais, terrible ça, du coup. Mais je crois bien que c'est jaune, hein, le max, hein. Et merde, c'est le moment de la meilleure mission. C'est là maintenant. Excellent. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off of. What were you boys doing? You're scouting ahead for. I kept asking him what we was doing, but he was. You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too.
They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get them? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. Oublions-le, lui, là. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Il y a pas genre un truc officiel. We kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Que sur des forums, et peut-être il y a sur Red Dead Wiki. Hein. C'est bon. On s'en va, hein. Hey, mister. Hard. Hello, mister. Hello. On dit bonjour à tout le monde, ça fait augmenter l'honneur. Excuse me, partner. Howdy, partner. Hey there, partner. How do you? Hello, sir. Hello. Howdy. Hi there. Step right up, get your news right here. Here we are. Ils construisent un truc ici, seigneur. J'ai jamais fait gaffe. Ah putain. Who's this then? Okay there. La meilleure mission, putain. De la place, s'il vous plaît, pour mon ami Lenny. Just one or two, right off? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple of beers, please? You. I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Hey, juste une. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. Hey, bizarre. Comment ça, il connaissait du monde? I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards. My lord. You men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with you. Tu vas te calmer. Laissez-nous tranquille, monsieur. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Eh ben nous, on n'est pas votre ami, monsieur. Oh. Oh merde. Les... Lenny.
friend went? I don't know, sorry. Cherchons. Madame. Found my friend. You know where he went? Don't ask me. Comment ça? Oh. Tu sais où est Lenny, toi? Quoi? Lenny? Ah oui, non, là c'est pas Lenny. Pardon. Excusez. Ah, mais il est là! Nice! Eh ben. Comment ça, inconnu? Lenny? Lenny! Get away from me! Now! Slippery little shit, ain't you? Hey! You know where my friend is? Sorry. Down here. Ah, il est en bas. Come here! Come here! Breathe in here, Lenny! Ça va être le moment le plus drôle. Le meilleur moment arrive. Ça va chier. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Le meilleur. Ah. Regarde, tout un micro pénis qu'il a, le micro pénis. Terrible. Eh, c'est réaliste, hein. Ils ressemblent tous à Lenny. Wow. Found you, Lenny. How many have you had, pal? Lenny, I'm a boy. Lenny? Maybe you should switch the water, my friend. Seigneur, ils sont tous là. Tous les Lenny sont là. C'est le multiverse. Il y en a dehors aussi, des Lenny. C'est vous, Lenny? Ah non. C'est que dans le saloon. Pro, vous dites ça, monsieur Ralou. Il a pas de chapeau, Lenny. Il a pas de chapeau. Allô? Lenny! Allô? Bastard! Damn it, Lenny, stop! Lenny avec des boobs. Lenny, go away, you're drunk. Il est dans la chambre au fond. Oh. Merde. Tiens, on tape pomme. Ah mais t'es qui toi dans ta mère?
friend of me often. Cheers. Cheers. Not you again. Mes couilles, mes burnes. Putain, les flics. Les flics. Le shérif. Le shérif Grimes. Arthur! You alive? Arthur! You alive, Arthur? I wanna die. Well. What did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. Oh. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money? It's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either of you around here no more. So, that was a quiet drink? First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Putain de merde. Fais-tu amende honorable auprès d'un vieux rival? Bon? What the fuck? Surprenez Lenny en pleine action? Quoi? Ne vous faites pas arrêter. Mais je crois que c'est la première fois que je me fais arrêter. Est-ce que... Je me souviens pas d'avoir un jour fini comme ça après cette mission. On est rebou, on peut rien faire. Ah c'est bon. Ah non mais d'accord. Oh. J'ai mangé de la fraise en conserve, ça compte pour les défis ou pas? Eh non, ça compte pas, seigneur. Dans la chambre au fond, j'y suis déjà allé. Et j'aurais dû y aller en mode où c'était full Lenny. Quel con. J'aurais pas dû y aller avant. Je serais pour... Enfin, je serais pour oublier pour un jour si je refais une quatrième fois le jeu. Ouais. Putain de merde, il est où mon chapeau? Voilà, merci. Et il pleut encore, hein. Il fait que de flotter en ce moment ici, là. On va aller manger un vrai bouffe. What?
took three innocent lives. And for that, the law demands that you shall pay with your own. Please, God, please let him go. Do you have any last words before you meet your judgment? Je sais pas si je le sauve. J'espère que... Putain, je l'ai même pas sauvé, il est mort quand même. J'ai le seum. Yo Raiden, ça va bien et vous? Ah putain, j'aurais dû tirer avant. J'aurais dû tirer bien avant, seigneur. Quel con. Ah, c'est pas comme dans les Disney, dans les Pirates des Caraïbes et tout, tu peux tirer après que c'est tombé. Quand ça tombe, le coup, c'est ça là, moi. Mais il est à mes trousses, hein. Laissez-moi tranquille, monsieur. J'aurais tenté de sauver le gars. Merde. De toute façon, j'ai un message à aller récupérer. Nickel, alors. Qu'est-ce que ça prévoit de beau alors pour le jour de l'an, monsieur? Ah. Mais c'est une blague. J'aurais peut-être dû mettre mon foulard. Laissez-moi tranquille, chef. C'est bon, hein, au bout d'un moment, là, ça force. Ils sont là, ils forcent, les mecs. Ah, ils vont pas plus loin parce qu'il y a le camp, hein. C'est vrai que j'y pense jamais à ce putain de foulard, mais faut que je le mette, hein. Avant de tirer, j'aurais dû mettre le foulard. Allez, nettoyons ça. Bah écoutez, pareil avec des amis et aussi la famille, les deux. Donc ça va se mettre bien. Je vais aller payer la prime. Et je veux aussi aller prendre mon courrier en même temps. Et vu que je suis censé avoir reçu un courrier, je suis curieux de voir ça là. Et du coup, j'ai même pas bouffé moi. J'ai même pas bouffé. J'ai été pris par l'event. Seigneur. C'est ça qu'il faut que je pense plus au bandana. Hein. C'est une des choses à laquelle il faut que je pense. Vraiment beaucoup. Faut que j'essaie de faire un effort là-dessus. Parce qu'au moins ça m'évitera d'être connu. Pourquoi avez-vous besoin d'un masque dans le premier place?
Réfléchis un peu, non? Ok. Merde, le courrier, quel abruti. Attendez, attendez, j'ai du courrier, monsieur. Recevoir du courrier. Morceau de quartz. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Ah ouais, changer la tenue aussi, d'accord. Faut que j'y pense. Mais du coup, cette mission principale a fait que notre Arthur Morgan est totalement dégueulasse, là. Va falloir qu'on aille encore se laver le fion. Bon, lui, là, qu'est-ce qu'il veut? Mais toi, tu... Eh, il fait toujours la manche, celui-là. Terrible. All that shooting. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. You beat up the big fella. He once beat me up. I asked for it. You think you're real crazy, mister? Non. Are you really calling me crazy? I fought in a war, mister. I did. Qu'est-ce qu'il nous dit ça, lui? Il nous a fait un free hugs. On lui a filé un dollar. A bad one, Mr. Arthur. Oh, a real bad. There's good wars. I saw terrible things. Faut que je pense, mais je crois que t'as le droit qu'il y a deux tenues enregistrées maximum. I'll go now. Je crois. Bah, si je peux en faire créer d'autres, il faut que j'y pense, ouais. What? Parce que là, ouais, j'ai deux sur deux, quoi. Je sais pas si je peux en... Peut-être que je peux en créer d'autres. Je sais que je peux créer plusieurs trucs, mais... Est-ce que je peux en avoir plus d'une tenue sur moi? À pouvoir changer, je sais pas du tout. Faudrait que je teste. Donc créer d'autres. Bon, bah écoutez. On va aller prendre un bain. Hein. Putain, j'ai pas la possibilité de prendre la vie de recherche. Terrible. Ah ouais, sur l'online, bah, je pense que l'online c'est genre... C'est genre 5 max quoi. À mon avis tu dois faire des trucs pour en avoir le plus possible, non? Donc c'est 5 max direct. Genre peu importe le niveau que t'as, etc. Je suis pas sûr, je sais pas. Peut-être là c'est pareil. Bon, il y a vraiment toujours des bruits chelous dans son hôtel à lui là. Ok. Bah, peut-être c'est pareil. Hein. Bain de luxe? Comment ça? Ah merde. Direct. C'est pour Ralou. You let me know if you need anything, all right? Allons-y. Ah voilà. Tout à l'heure on l'avait fait aussi, mais t'étais parti aux toilettes. So, how are you doing? Good. Comment tu sais qu'il se passe ça, Ralou? Oh, been a tough few weeks. Un beau Antolisso. GG. Du coup, c'était un perfect ou pas? Some parts of me probably ain't been this clean in months. Oh, I'm not sure what to make of that. Non, plein d'arrêt. Ah ouais.
Elle est pas mal celle-là. Arthur qui se fait Marston le John. Incroyable. Qui se fait Vanderlyn le Dutch. Ou qui se fait Maika le Dutch. It was nice getting to know you. Okay. I hear the things the out-of-towner's been saying about my hotel. No, I do not have gold hidden under this establishment. Ah, vous avez pas d'or. Okay, okay. Oh, it's you. Yes, it is. Last time I checked. I really don't need any more trouble. Du coup, l'autre, elle nous a filé quoi ? Morceau de quartz, lourd morceau de quartz peut être utilisé pour fabriquer un objet unique chez les Rustlers. Ah ouais ? Comment ça ? I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. So what is it you need ? A bath, perhaps ? Certainement, Damien. Certainement. Du coup, ce serait peut-être cool d'aller voir chez un Hustler ce que ça donne, là, ça. Il faut que je vois. Merde, où sont les photos ? Photographie. Black Bell, on a fait. Flaco, on a fait. Billy, je crois que c'est lui qui est en bas. Je crois que c'est le Emmett qu'on sait pas où il est. Actuellement, éleveur de porc près de Flat Iron Lake. Un refuge de communiquer. Arr. Parce que du coup, Flaco, on l'a fait. Et en plus, on a récupéré son flingue. Là où Black Bell, ça s'était bien passé. Donc, on n'avait pas eu besoin de faire ça. Ok, bah, il est juste à côté, le mec. Hermione Granger. Et là, on partirait là-dessus. Mais lui, il est du côté de Rhodes. Ouais, peut-être que je ferai ça plutôt quand on sera au chapitre de Rhodes. Hein, pour lui, là. Ouais. Du coup, Maika, c'est le truc principal. On n'est pas pressé. Pas pressé de le faire, hein, le Maika. Hein, je vous le dis. Peut-être que ce sont tous des personnages qui donnent des quêtes en online. Ah oui, les quatre, là. Black Bell, je me souviens. Mais les autres, je me souvenais pas. Hein. Du coup, pour cet épisode, quelle mission on pourrait se faire peut-être se faire, du coup, la mission avec Marie. Hein. Allons-y. Et après, oui, putain, c'est vrai, j'aimerais bien aller voir un trappeur. On avait trouvé l'endroit d'un trappeur, je pense qu'on ira voir ça après. On avait trouvé l'endroit où il y avait un trappeur, mais il n'était pas disponible, le type. Moi, j'aimerais bien y aller pour augmenter un peu nos sacoches, etc. Là. Voir ce qu'il faut. Du coup, il y aura peut-être une session chasse et pêche à venir. Merinos. C'est qui celui-là qui est à côté de la baraque de Mary ? Salut. Peut-être qu'il nous connaît pas. Bah on sait pourquoi il est dans un good mood. En plus on est tout propre. Yes. I'm sorry, I didn't mean to disturb you. Bel accueil. On est tout propre et il fait tout beau. Incroyable. I'll go see. Mrs. Lemon, a collar for you. Hello, Arthur. Mary. I heard you and your friends was around. I... Okay.
Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Ah, j'ai mal au cœur. Arthur, I'm... my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. Ah, daddy's heart. Both of them, you know. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Raiden, c'est vrai ça. Mais il fait, c'est terrible en ce moment, il fait que de flotter là. Ça fait plusieurs heures qu'il fait que de flotter ici, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Au moins si elle veut toujours être Arthur à ce moment-là, elle le sera pour toujours. Ah bah ouais, ouais, ouais. Pas sûr d'avoir compris la phrase. Est-ce que j'ai bouffé même? J'ai même pas bouffé, je crois. Ah oui. Mais du coup, la pauvre est clairement. C'est clairement ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Je crois que même si on aurait refusé son. De l'aider, etc. Il y a toujours ce moment où elle va le voir, je crois. Voyons voir la map. Seigneur, mais c'est qu'il est loin, cet enfoiré. Ah, je suis obligé d'y aller maintenant. Hein. Je ne suis pas obligé d'y aller maintenant. Six Point Gabin, il y a quoi ici? Ok, ok. Putain, le trappeur, il est là. Il est loin. Hein. Autant aller faire cette mission-là, puis après on ira voir le trappeur. Merde. Allons-y. De toute façon, d'ici qu'on arrive à cette mission, il va s'en passer des choses. Certainement. Faut que je pense.
trésor trouvé. Comment ça? Blackjack, si jamais je trouve. Chevaucher de Valentine's à Rhodes. Ouais, bon, ça faudra que je le fasse quand j'aurai découvert Rhodes. Peau de lapin en parfait état. Du coup, les lapins, je crois que c'est avec. Ennemi tué avec des couteaux de lancer. Ok, faut que je fasse le dégât des couteaux de lancer. Et je vais penser au lapin. Avec le fusil et petit gibier. Il faudra que je fasse gaffe. Ah, où je tire sur le lapinio. Là, il flotte. Peut-être que je vais pas en trouver. Je crois que c'est du petit. C'est un fusil petit gibier ou des flèches petit gibier peut-être. De toute façon, je pense que flèches petit gibier et les balles de fusil de petit gibier, c'est pareil, hein, ça doit être kiff-kiff. Ça y est, il pleut plus, seigneur. Mais il y a de la gadoue, hein. Il y a de l'eau sur le sol. Ça rigole zéro, hein. Check si jamais il y a quelque chose de particulier. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Ah bah tiens, bah tiens. Twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Ah ouais, allons-y, hein. Vous devez aller où? Oh, thank you, sir. Thank you. Vous devez aller où? You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Pfiou, ouais, c'est loin, hein. Oui, je m'y relis. Il est très bien le jeu que tu as acheté cet après-midi. C'est même le meilleur jeu du monde. Écoutez, à faire la mission avec nous, là, madame, hein, parce que il est hors de question que j'aille à Emerald Ranch maintenant alors que j'ai la mission à côté. Madame, vous avez participé à une grande aventure. La caca. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool always complaining. C'est but quoi, does he ça? Do something about it? Man barely dinde. Has a hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been... Aïe. But Biscuit, he was a fine animal. Ah, okay. Bah écoute, tu me diras ce que t'en as pensé, hein. T'as déjà une dinde sur la cheval, c'est vrai, mais je sais pas si sa peau est au maximum, par contre. Bah tu vas t'embarquer dans l'une des meilleures aventures du jeu vidéo du monde, là, hein. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Think you might have got. Je sais pas si t'es des lapins là. This is taking a long time. Ah ouais, ça doit être de la vieille peau, ouais, certainement. Yeah. Had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey. He says, gee, thanks. So. C'est bon là, Ralou, là, c'est bon, ça a 5 minutes cette propagande là, on y joue déjà, y'a pas besoin. C'est pas vrai. C'est bon, hein.
in a mighty long time. I was saying something. Oh, right, yeah. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. Easy. Putain, mais c'est un lièvre, mais que de 2 étoiles. Bah écoute, je pense que tu as raison. Après, faut pas trop non plus placer des attentes peut-être trop élevées. Quoique tu pourrais, mais peut-être ça va peut-être faire l'effet inverse sur certaines choses. Je pense que c'est peut-être mieux que tu envoies ou que les gens typent le moins possible pour que tu puisses... Madame n'est pas contente. C'est... Pourtant, on suit le chemin. Hein. Pourtant, c'était son chemin, là. Hein. Mais bon. Sur l'immersion, faut... Je pense qu'il faut rentrer dedans. Il y a beaucoup de gens, pour eux... Enfin, beaucoup. Il y a des critiques négatives sur le jeu en mode... Le jeu est trop lent, on se fait chier, à cheval c'est trop lent, etc. Mais l'immersion est dingue. Donc du coup, ouais, je dis, ouais, faut rentrer dedans parce que y a des gens, ils rentrent pas dedans parce qu'ils aiment pas le délire, quoi. Alors que pourtant, c'est incroyable. Pourquoi je peux pas étudier ? Pourquoi je peux pas étudier ? Je vous étudiais, moi. Ah bah, si c'est un délire que t'aimes bien, ouais, ça devrait te convenir. Si le délire est tellement poussé que, limite, quand tu joues, c'est du RP, quoi. Ah, là, sur cette run-là, je prends vraiment beaucoup mon temps, là. On est déjà à 12 VOD et on n'a rien foutu en vérité par rapport à l'histoire principale. J'ai fait quelques défis, pris mon temps, des événements aléatoires. Il y en a plein, il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses, t'as la chasse, t'as tes défis à faire. Quand tu vas d'un point A à un point B, il y a toujours des choses qui t'arrêtent sur le chemin pour faire autre chose. C'est, ouais, c'est le meilleur jeu du monde. L'histoire est incroyable aussi. Hein. Puis t'as pas besoin d'avoir fait le premier Red Dead pour faire celui-là. Tu manques peut-être des... comment dire, des refs, mais c'est tout quoi. Bah j'ai même pas besoin de le vendre vu qu'elle l'a acheté, Miroli. Chut. Eh bien le bonsoir. Comment qu'il va le central? Ça fait quoi pour le jour de l'an là, monsieur Arthur? Monsieur Arthur, pas Morgan, pardon. What the fuck? Bah là, il fait nuit. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire cette mission de nuit. Monsieur, dame, bah alors ça chie dans son froc. Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur? I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen... Assez! Assez maintenant! Ça va, et toi?
Et là, tu m'as dit, bah, ça va et toi? Et moi, je lui dis, bah, ça va et toi? Répondez de façon lessive ou de façon impatiente. On va être gentil. I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism. Là, en gros, on essaie de récupérer le petit frère d'une amie qui, du coup, a choisi de vivre avec ces fous là. Ces fous là, vraiment. Allez, on va être philosophe. Safety, safety and meaning. Bah, je pense que tu peux faire ce que tu veux. Hein. Quoique, peut-être qu'on peut pas dégainer à ce moment-là. You may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Sure. Leave me alone, Arthur. Aïe aïe aïe. Il fait nuit, mon garçon, en plus, là. Je vois à peine le chemin, j'ai pas envie de me casser la gueule. Seigneur, on passe devant chez quelqu'un. Putain, on loupe des gens avec qui discuter à cause de lui. Putain, je suis encore tué une bestiole à cheval sans rien faire, Seigneur. Tu peux les menacer en tirant en l'air, après je crois pas que tu puisses... Tu penses pas, non? En fait, dans le monde libre, tu peux à peu près faire ce que tu veux, tuer qui tu veux durant des interactions, mais... Dans les missions d'histoire, je pense que tu t'es bridé à ce niveau-là, ouais. Pour certaines choses. Mais à contrario, il y aura des moments où tu pourras choisir, faire ce que tu veux, même durant des missions annexes, etc., quoi. T'as beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Putain de merde. Mais c'est pas vrai. Please, Arthur. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. L'hype, l'hype. Heureusement qu'on voit pas la caméra, parce que là j'aurais des problèmes. Calme-toi, garçon. Calme-toi. Doucement, garçon. Kid, just calm down. Oui, on va te laisser tranquille, t'inquiète pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. GG.
Oh, GG Raiden. Du coup, tu vois, Mirolik, tu pourras tuer. Tu pourras les tuer si tu veux. Tu pourras les fusiller. Visiblement. You taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. Ah ouais. Moi, j'essaie d'être un honneur bon. Elle va être dans le rouge. Là, là, en bas, là, va être tout à gauche, là, Miroli. Après, ça peut être sympa, mais c'est... c'est un gameplay beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus contraignant. Mais tu peux, hein. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? Je sais plus s'il y a beaucoup de choses, entre guillemets, de... d'objets, de trucs spéciaux que tu peux avoir en étant un full bandit. Hors la loi négatif, un méchant hors la loi. Je sais que quand t'es dans le bien, tu as accès à des trucs que t'as pas quand t'es dans le négatif. Faudrait voir. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and... what was his name? Hester? Jose. Ça va, quand tu es en mode honneur dans le bon sens, t'as accès à des vêtements spéciaux. Et dans certains commerces, tu payes moins cher. Mais par contre, en low honneur, je crois que le seul truc qui change, c'est peut-être avoir accès à des objets en mode bandit méchant. Je crois que ça doit être ça. She told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not, and you seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Yes. Puis je crois aussi que même les petites interactions dans le camp... quand t'es vraiment une pourriture, les gens dans ton camp, ils le savent et ils te le font remarquer. Move it. Here we are. She must be waiting inside. Assez. Vas-y, vas-y. C'est vrai que c'est une belle trouvaille, cette blague AC, là. Je suis content. Je suis content de moi. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. L'autre allait nous serrer la main, l'autre. And you. Aïe, aïe, aïe. Et...
une ambiance là entre Acé et Miroli là. You'll never change. I know that. Une ambiance délétère entre les deux là. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. C'est vrai qu'elle sert un peu de nous là, à ce moment-là quand même, hein. Elle se sert un peu, elle profite un peu du Arthur Morgan, là. En plus, elle allait lui serrer la main après, hein. Lui serrer la main, quoi. Même pas une petite bise, rien. Elle allait lui serrer la main, elle lui tendait la main, carrément. Ah, je savais pas qu'il avait ses règles, Arthur. Ouais, même pas une petite bise, rien. C'est terrible. Vas-y, passez, monsieur. Hey there, mister. This seems like a decent town. Ah ouais. C'est quand que t'as pas tes règles? Ah ouais, ça. Ouais, c'est... Waouh. Bon, bah, je le veux bien, moi, ton journal, là. Comment que je fais pour l'acheter? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Il reste pas grand... Il reste pas grand monde, j'allais dire. Il me reste pas beaucoup de temps. On est déjà à plus d'une heure, là. Je pense qu'on va peut-être conclure l'épisode là-dessus. Regardez-moi ça. Là, allez, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est le Far West. Ça, c'est le Western. On y est. On est en plein dedans. Ah ouais. Oh merde, le youtubeur déchu. Terrible. Assez Central qui arrête ses vidéos. C'est terrible. Il a pris sa retraite, le type. C'est pas vrai. Ah oui, ouais. C'est vrai. La paille qui roule au vent. Qu'est-ce que c'est beau, seigneur. Je crois que c'est une banque ici, là. La paella. Je crois qu'on peut se poser sur le toit de la banque là. J'ai déjà vu des gens faire ça, attendez. Oui. Pourquoi il s'assoit pas? Seigneur, mais il veut pas s'asseoir. Bon, on arrête l'épisode là-dessus. Ciao. À demain pour la suite.